good, work hard. Moi, c'est David Boring, je suis chanteur américain. Toi, c'est comment, Yoro? Moi, c'est Urbelix, je suis une machine. Et toi, tu t'appelles comment, Martin? Moi, c'est Martin Luther B.B. King, je suis guitare héros pasteurisé. Classe. Ah bah très simplement, les Nebuteurs, c'est un groupe de musique qui est constitué de trois personnes qui sont là ici présentes. Et on fait surtout de la un peu un mélange de styles, mais qu'on dit au final que c'est de la pop rappée. On dit aussi qu'il y a des sentiments chaloupés, un peu à gauche, un peu à droite. C'est un peu inspiré de la Californie, un peu dans le cœur. C'est un mélange d'influences, un peu il y a des peut-être des beats un peu électro, un peu inspiré par le rap, beaucoup de grosses guitares, parce que Martin écoutait plus de rock. Et en fait dessus, David Boring pose plus une voix un peu hip-hop, quoi, donc ça fait un mélange un peu. On sait pas trop. Mais alors comment ça s'est passé au tout début? I like to live good, work hard, have kids. Don't bother me with your attitude, will you please take your pills? On était à une sorte de vernissage expo musique qui était très bizarre. Et il y avait Martin et Yoro et John Coltrave qui était un ancien saxophoniste. Il a une histoire bizarre. Et il faisait un concert et moi j'exposais des photos et personne n'y écoutait le concert et personne n'y regardait les photos. Alors comme ça ils jouaient tout ça et moi j'ai fait ouais ils sont bien les gars tout ça et j'ai fait le chauffeur de salle pour que ça chauffe et puis j'ai chauffé à fond et puis personne n'y dansait encore. Et mais nous ça nous a bien plu alors ouais, coup, ouais, et puis ensuite on a dit les gars il faut qu'on fasse les Naive Nubiters quoi. Souvent, on nous dit que c'est assez marrant, mais qu'on, si on ne nous connaissait pas, on ne pourrait pas dire si on était français ou américain ou quoi que ce soit, en fait. Ou même roumain. Oui, c'est pas « Ah, tiens, ils sont américains ». Non. « Ah, ils sont portoricains ». Ouais, souvent, on nous dit qu'on vient de Porto Rico et qu'on est des mythos, qu'on n'est pas vraiment de Californie, qu'on est de Porto Rico. Bon, mais parfois, moi, c'est un peu vrai aussi. Comme un compliment, enfin, c'est marrant ouais, de pouvoir se dire que… Mais c'est vrai que… Que quand on est dans un pays étranger, ouais, on est plus comme un groupe français, mais pas non plus perçu comme, je sais pas, une musique purement française. Ou... Ouais, après, il y a les trucs, les remix électro qu'on a fait, qui nous associent un peu peut-être à la scène française. On a réalisé que tout dépend le style de musique que toi, tu écoutes. Si tu l'écoutes de l'électro, tu vas pas vraiment dire que nous on fait de l'électro. Tu vas dire, ah bah ouais, ils font du rock un peu, tout ça. Mmh, et si tu fais du rock, ils vont te dire, non, les gars, ils font de l'électro. Et DJ Gero qui fait du rap, il dit, ah ben non, les gars, vous faites de l'électro-rock. Ouais. Et la boucle est bouclée. Each town that I go. That I'll never give. Go, it's time to go. It's called life, man, could you believe? Each town that I go. Everything I have achieved. Go, it's time to go. Le clip, par exemple, de Live Good, c'est vrai, il a beaucoup tourné sur Internet et, ça nous a pas mal aidé. Même ça, vu que ça tourne sur Internet, ça nous aide pas mal, même à l'étranger, disons, à faire connaître la musique. Là-bas, c'est beaucoup plus rapide et c'est pour ça qu'on avait joué au Mexique, à d'autres pays bizarres, tout ça. Grâce à Internet. Ouais, c'est un peu grâce à Internet. On
on est plus à la base dans, à la maison, dans les home studios, en train de faire la musique. Et parce que je te dis, le premier concert, on s'est dit qu'il y avait du boulot encore avant d'être... Moi, j'avais peur des concerts au début. Donc c'est vrai, on a commencé plus à être un peu groupe de studio, home studio, à bricoler les choses. Et puis, et ben, on a pris goût aux concerts, plus on en faisait. Et là, c'est vrai, on fait plus, par exemple, de scènes que de studio. It's called life, man, could you believe?